Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Let's Play de Zhang Liao, qui est un personnage très intéressant dans Dynasty Warriors 5. En plus, il a un mode histoire qui est assez sympa, enfin qui diverge un petit peu de la majorité des personnages. Donc il va être sympa à jouer. Célèbre pour son intelligence autant que sa force, il place l'honneur au-dessus de tout et apprend même la politesse à ses ennemis. Allez, en avant. I am Zhang Liao. I was born and raised amongst this chaos, which has led me to choose to live the way of the warrior. The only home I have ever known is that of the battlefield. I am currently serving as an officer under my lord Dong Zhuo in Luoyang, alongside another warrior who goes by the name of Lu Bu. Lu Bu is truly one of the greatest warriors I have ever encountered. Hopefully, one day I'll be just as great a warrior as he is. Zhang Liao, what are you doing working for Dong Zhuo? I guess you're just like me. Looking for a good fight, not much else. Now we're off to Si Shui Gate to battle with that coalition. Looks like the best they got is Sun Jian. He's nothing. No match for me, and probably no trouble for you either. I hope there's at least one more person out there worth fighting. And at least there's plenty of fodder for us both to take on. Come on, Zhang Liao, let's go! La bataille de la porte de Si Shui. Et donc, nous sommes Zhang Liao, nous sommes sous les ordres, comme dit, de Dong Zhuo, le tyrannique Dong Zhuo, et on combat aux côtés du puissant Lu Bu. Nous sommes à Si Shui, la coalition anti-Dong Zhuo avance sur nous. On doit à tout prix les empêcher de passer. Alors. Je vais commencer par le costume numéro 4. Donc j'ai la wyverne dorée. Je vais enlever C'est un peu craqué de mettre éclair de feu à Zhang Liao. Enfin, je sais que c'est un super guerrier et tout, mais Zhang Liao, c'est mon guerrier préféré du Wei d'ailleurs. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup parce que quand on voit le nombre de votes qu'il y a eu pour lui, on se dit, ouais, Zhang Liao, il est populaire. Celle d'ombre, Orbe de Glace, ça me semble bien, ça correspond bien à Zhang Liao. Juste sa wyverne dorée, elle lui offre quoi? Remplissage, cheval, vie, chance, attaque. Ok. Donc ouais, aucun item, hein, je vais rester sur ce système-là, difficile, aucun item. C'est un peu le juste milieu entre pas assez dur et trop dur. On en est entre les deux. Il faut que le let's play reste dynamique, donc faut pas non plus que je galère trop, mais en même temps faut pas que ce soit trop facile, sinon on se fait chier. Bon, je pense qu'on n'est pas trop loin du juste milieu. Il est pas facile à atteindre le juste milieu dans les Dynasty Warriors, surtout avec mes personnages qui sont souvent entraînés à fond. Donc bon, on fait avec, hein. Nous avons pour objectif de vaincre Yuan Shao. Nous perdrons si Wax Yong est vaincu ou si la porte de Si Shui est prise. Avec nous. Wax Yong, Zhang Liao, Li Ru, Li Jue, Xuron, Guoxi, Niu Fu. Mais il est pas là, Lu Bu. Bref. Il est peut-être en retard. Yuan Shao, enfin contre nous, Yuan Shao, Zhu Shu, Sun Jian, Wang Gai, Zhu Zi, Han Dong, Liu Bei, Guan Yu, Yuan Shu, Ji Ling, Gong Sun Zan. Les forces alliées contre Dong Zhuo menées par Yuan Shao attaquent la porte de Si Shui. Dong Zhuo a ordonné à Wax Yong de protéger la porte et de repousser les forces alliées. En avant pour la bataille de la porte de Si Shui. Nous sommes à la porte de Si Shui dans la province Si. Show them your fangs, man. An attack base. Break it up while we have the chance. Très bien.
Allons-y. This isn't looking good. On va prendre cette base d'attaque. On va repousser cette pitoyable coalition. Déjà, si on prend le contrôle du centre, on sera plutôt bien, je pense. On aura des positions solides, une base solide. Déjà que la porte de Sichui est plutôt résistante en soi. Oh, je vois l'armée de Sungjian. Ok. Couper la route du ravitaillement ennemi, c'est au nord. C'est parfait parce que du coup, j'ai pris le contrôle globalement du centre. Ça devrait être assez tranquille. Je pense que mes alliés devraient pouvoir se charger des troufions restants. Allons-y, le dépôt de ravitaillement. Oh mais... Le mec, reviens là. C'est vieille esquive, quoi. Ah oui, je vous ai pas montré le gameplay de Zangyao, du coup. Alors... Voilà, la première. Deuxième. Troisième. Là, c'était la cinquième. Ça, c'était la quatrième. Je l'ai un peu foiré, du coup. Et... La dernière. Et je vous montrerai l'autre combo après. Faut juste que je récupère mon cheval. On va avancer. Ok, je vérifiais juste s'il n'y avait pas un officier, mais il y a juste des troufions sur le chemin, on s'en fout du coup. Hors de mon chemin! Ok, je vous montre le combo au complet. Voilà. Et le mezu, bah, vous l'avez déjà vu du coup. Allez, en avant. Alors Yuan Shu, on garde le ravitaillement. Si on arrive à battre Yuan Shu, on assurera que Sungjian ne recevra jamais de ravitaillement. Et voilà. I must retreat. For now. Enemy officer defeated. Parfait. Crève-toi. Our provisions were captured by the enemy. C'est triste, Yuan Shao, n'est-ce pas? We ain't here for the scenery, man. Move out. Our base has fallen? Are you sure about this? Ce Yuan Shao qui se décompose au fur et à mesure, quoi, qui se rend compte que ça commence à sentir le foin. Ok, on a Gong Sunzan ici, je vais juste m'occuper de lui vite fait. Et après je fais le mitre. Parce que je vais m'occuper des autres officiers importants quand même. Non monsieur. Ah. Parfait. Allez, en avant. Y a pas un... Si, si, y a un petit bastion à prendre ici quand même, ici. Ça fait deux fois ici. Maintenant, ça fait trois fois. Wow. Qu'est-ce que vous avez, là? Les archers, ils réagissent même pas, quoi. Il y a un mec qui arrive sur eux, mais... Rien à foutre. On se laisse buter. On aime ça. La mort. C'est cool. Ok. Hors de mon chemin. Je suis le puissant Zhang Liao. Oh, Guan Yu. Now is our chance. Prepare to attack. Pas de dialogue entre nous.
entre Guan Yu et Zhang Liao. Non, vraiment pas. Enemy officer defeated. Guan Yu Osef, quoi, c'est. Who is that? His talents are incredible. I would love to cross swords with such a warrior. Bah si, mais il y a quand même un commentaire sur Guan Yu, mais après en fait. Marrant. Et pourquoi j'aurais aimé croiser le fer avec un tel guerrier, alors que tu viens de le faire? Bon, Liu Bei, défoncé. As long as the people are suffering, I shall fight for them. Enemy officer defeated. Ah, il reste Sun Jian. Et il participe pas à cette bataille, Kao Kao, en fait? Non, il y est pas. Je me souvenais pas de ça. Que Kao Kao, il le mettait pas... Il le faisait pas apparaître à Sichui. Bien. Bonjour. Crush them. Did you think you could overcome this place? Allow me to lend you a hand. Ah si. Le voilà. Finalement c'est. Et il arrive par derrière, donc c'est pas bon. Il va falloir faire demi-tour après pour s'occuper de Kao Kao. Alors, Zuzi, on a des petits Zuzi. Sun Jian. Putain, la porte de Sichui. Ok, faut que je me dépêche. Parce que Waxiong, il la défend même plus. Il n'y a plus personne qui défend la porte de Sichui. Quel idiot a laissé les arrières vulnérables! You must know when to retreat. Enemy officer defeated. Ok, je vais faire une petite interim save maintenant au cas où Kao Kao serait rapide à prendre la porte de Sichui, mais on va le repousser parce que c'est hors de question de le laisser faire. Il est venu tout seul? Non, il est venu avec Zeodun, évidemment. Ok, je vais aller défendre moi-même la porte de Sichui. Et nous, on peut pas avoir des renforts de Lubu, par exemple? Ce serait pas mal, ça, comme twist. Ok. Those who stand in my way shall be cut down. Désolé, mais non. Tu résistes bien, Kao Kao. Mais j'ai percé tes défenses. Someday you shall pay for this. Enemy officer defeated. Okay. Zeodun. We gates in danger. We need help. Je suis dessus là. Le Zeodun il essaie de s'enfuir. Je vais juste essayer de le buter si je peux pour le principe, pour le prestige. C'était un sous-officier de Kao Kao, il cherche plus à combattre. Voilà. Enemy officer defeated. Ah.
les archers. Aïe. Incredible. Incredible. C'est bon, la porte de Sichui peut tenir ou pas? Pendant le doute, je vais peut-être anéantir les derniers truffions, parce qu'on sait jamais. Et après, on fonce sur Yuan Shao. Voilà. Je crois bien que c'est bon. Allez, on se casse de Sichui. Si, il y avait Li Ru qui défendait. Tout seul. Enfin bon. De toute façon, j'ai bien fait de me déplacer. Hein. Li Ru, il aurait pas tenu tout seul. Face à Cao Cao et Xiaodun, il fait pas le poids. Rejoignons Waxion. The end is near. Yeah. Yuan Shao. The enemy is powerless to stop us. Stand down, you cretin! Have you no shame? Je vais te calmer, d'accord? Je vais t'apprendre ce que c'est la honte de la défaite, moi, en tout cas. Enough! Oh, il y avait Jushu derrière. Tué en dégâts collatéral. Et deuxième mesou dans le même mesurage. Allez, bim. This is not a retreat. Rather a move for my future. Enemy officer defeated. Quelle bonne excuse, Yuan Shao. Nous avons gagné. La défense de la porte de Sichui est une victoire. Have you learned your lesson yet? As long as Hua Xiong controls Sichui Gate, you shall not pass. It is laughable to think that I would let such filth even approach Lord Dongzhuo. But no matter how weak they are, I cannot hold them off forever. They will surely try to press the attack before long. I must find a way to keep them at bay. En tout cas, pour le moment, on a fait de notre mieux, Hua Xiong. A new bodyguard. This bodyguard. M'en fous, j'ai oui, tu dégages. On se retrouve pour la bataille suivante.